Le libéralisme est l'idéologie qui assure la continuité par la récupération des forces productives nouvelles dans l'ensemble bourgeois. C'est une stratégie de l'opportunisme, camouflée par l'appareil humaniste. Est-ce que vous connaissez Ben Nevers? C'est un vidéaste français à plus de 500 000 abonnés sur YouTube. Il est notamment connu pour son format Entre mecs, où il discute avec d'autres hommes de sujets assez variés, comme le sexe, le style, l'homosexualité, la virilité, la drague, etc. Il se donne lui-même comme objectif de rendre le monde plus doux et réunir les gens. L'idée de cette vidéo, c'est d'utiliser le discours de Ben Nevers pour mettre en lumière et comprendre le contenu de l'idéologie néolibérale. Idéologie qui est omniprésente chez lui. Ainsi que de comprendre comment il articule cette idéologie pour légitimer son activité économique. Je vais utiliser sa FAQ intitulée « Les problèmes » sortie le 16 octobre 2022 pour effectuer ma critique. Cette idéologie-là, elle est symptomatique de ce que Bégodeau appelle la bourgeoisie cool. C'est un concept qu'on retrouve également chez Kluskar lorsqu'il oppose la nouvelle bourgeoisie à la bourgeoisie traditionnelle. On va donc voir comment son discours, celui de Ben Nevers, transmet une idéologie particulière qui légitime le capitalisme et quels sont les contenus de cette idéologie. Où j'ai l'impression que genre, la plupart des gens qui sont un peu sarcastiques, qui font de l'humour, etc. sont tous là en mode « Ah Ben Nevers, les problèmes, gnagnagna !» Vous voyez un peu le délire? Mais en fait c'est moi qui me mets une barrière psychologique de fou. Hop, on s'arrête là. Après il donne un exemple, c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser ici. Il dit « C'est moi qui me mets une barrière psychologique de fou. » Alors là on est sur un point vraiment important de l'idéologie néolibérale, la dimension du libre-arbitre. Ben se considère comme autodéterminé. C'est lui qui pourrait jouer sur ses propres barrières psychologiques pour atteindre ses objectifs. Il est en conséquence pleinement responsable de sa trajectoire de vie. S'il y arrive, c'est grâce à lui. S'il n'y arrive pas, c'est de sa faute. En gros, son seul frein dans son succès, c'est lui-même quoi. On ne parle pas du tout des circonstances extérieures. Le réel est complètement nié pour laisser place au sacre de l'individu comme toute puissance. Et même lorsque les conditions matérielles peuvent être évoquées, je vous laisse voir ce que ça donne. Évidemment que je vais pas me comporter de la même manière si je suis avec mes parents ou mes amis d'enfance. Donc dans ce sens-là, j'ai l'impression de pas être exactement la même personne. Je m'adapte selon les environnements. Mais par contre, fondamentalement, je reste la même personne, donc j'ai les mêmes valeurs. Il admet qu'il peut changer de comportement selon son environnement social, mais il s'attribue une essence fondamentale. Malgré ce qu'il se passe autour, il resterait la même personne avec les mêmes valeurs. C'est logique, puisqu'il considère que c'est lui qui décide de cette essence. En gros, les autres peuvent influer, mais c'est lui qui aurait le dernier mot. Finalement, qu'est-ce que la vie? Je crois que chacun a sa propre définition. Alors, je mets ça en supplément, ça vient compléter notre analyse. En disant, chacun a sa propre définition, ben, au final, on relativise le réel, le rendant totalement subjectif. La vie ne serait pas ce qui se passe concrètement, mais serait relative à la définition qu'on lui donne. Allez, on va pousser vite fait l'analyse, ça implique quoi ce genre de discours? Eh ben, ça implique d'abord qu'il n'y a rien de commun entre nos vies. Nos vies sont différentes, car nous sommes différents. Et s'il n'y a rien de commun entre nos vies, il n'y a donc aucun intérêt commun, puisque chacun devrait avoir un intérêt personnel différent de celui des autres. Si on suit cette logique, et s'il n'y a aucun intérêt commun, il n'y a donc aucun intérêt non plus à se réunir pour lutter. La lutte n'est qu'individuelle. À quoi bon lutter avec une personne qui a un intérêt différent du mien? Aucun. Bien sûr, ce n'est pas ce que dit Ben Nevers ici, mais c'est l'implication logique de son discours. C'est là l'intérêt de l'idéologie, promouvoir une manière de penser qui supporte et maintient un ordre établi. Ici, on divise les classes révolutionnaires entre elles, afin de préserver le mode de production capitaliste. Franchement, si on est très honnête entre nous, là on se dit les choses. De toute façon là, je pense que la vidéo elle dure déjà longtemps, il reste plus que les vrais ici. Ici, on est au cœur du marché de Ben, un marché qui repose sur l'intimité, ou pour être plus précis, le faux sentiment de proximité. Ben nous fait nous sentir importants, ce qui appuie sur la valeur de singularité. Notamment avec son « il reste plus que les vrais ici ». Cette quête de singularité fait écho à la vision entrepreneuriale des personnes. Comme toute entreprise, les personnes sont amenées à se distinguer les unes des autres. Mais on va revenir sur cette notion d'intimité plus tard,
Mettez-la dans un coin de votre tête, elle est vraiment importante. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des amis qu'il fallait dégager de sa vie parfois, parce qu'il y a aussi des gens très toxiques qui vont essayer de te ramener vers leur médiocrité, et parce que c'est plus rassurant de se dire « Ah, les personnes autour de moi qui font des choses sont en train de changer et c'est en train de devenir des pires merdes », plutôt que de se dire « Ok, les gens sont en train d'évoluer, est-ce que ça veut pas, ça me ramène pas à moi-même ce que je fais de ma vie, et peut-être que je suis pas aligné avec moi-même et il faudrait que je fasse plus de choses ?» Là, il nous parle d'évolution. Mais il y a une notion d'essence dans cette évolution. Je ne suis pas aligné avec moi-même. Il suppose donc une sorte de soi fondamental sur lequel il faudrait s'aligner. On essaye de se réaliser, de renouer avec sa véritable identité. Quoi ? Vous reconnaissez un lexique de développement personnel ? Bah non, c'est sûrement votre imagination. De plus, dire « les gens qui essayent de te ramener dans ta médiocrité », c'est évidemment en négatif affirmer sa non-médiocrité. Ça rejoint un principe d'évolution. Avant, il était médiocre, et il a évolué pour devenir meilleur. C'est encore une vision d'entreprise, en fait. C'est peut-être aussi rendre justice à la vie, d'essayer d'en faire la meilleure chose possible. Et qu'en plus, il y a un potentiel de trucs à faire dans cette expérience de la vie qui est incroyable. Enfin, vous imaginez, genre, je pense que les moucherons, ils vivent quoi quelques jours, que ce n'est quelques heures. Nous, on peut vivre genre pratiquement un siècle. On peut faire un paquet de trucs en un siècle. Et parfois, je me dis aussi que la vie, c'est de la merde. De la grosse merde. Putain, il est un peu philosophique, c'est la FAQ la plus philosophique. J'espère que vous êtes encore là. Qui est encore là ? Vous avez quitté ? Non, ça va, vous êtes encore là, c'est intéressant. Des fois, je me dis que la vie, ça n'a aucun sens. Mais vraiment, aucune sorte de sens. Et je me dis, bon, bah, de toute façon, on connaît la finalité, c'est la seule certitude qu'on a. Est-ce que ça sert à quelque chose de kiffer ? Voilà, c'est des questionnements que j'ai parfois. Heureusement, le pas positif prend le dessus régulièrement en se disant, bon, vu que la vie n'a aucun sens, autant en profiter et autant justement prendre du recul sur tout ça et puis se dire, c'est trop cool. Autant faire plein de trucs vu que ça n'a aucun sens. Ben dit ici que pour rendre justice à la vie, il faut essayer d'en faire la meilleure chose possible. On retrouve ici une autre valeur du néolibéralisme, à savoir l'hédonisme, principe selon lequel l'atteinte du bonheur représente ce qui est le plus souhaitable et précieux dans la vie d'une personne. Le bonheur est considéré à la fois comme un but essentiel de l'être humain et comme synonyme de succès dans la vie d'un individu. Et même s'il évoque les côtés sombres de la vie, il tranche au final en disant que sa vision hédoniste prend le dessus. Vous remarquerez également qu'il associe sa vision positive de la vie à des émotions positives, avec le verbe « kiffer » par exemple. On remarque aussi que la seule limite qu'il voit dans l'accomplissement de sa vie est la durée de cette dernière. Ainsi, sa vision de la réalisation de la vie est détachée des conditions matérielles extérieures, ce qui fait un lien avec le principe de libre-arbitre qu'on a vu tout à l'heure. Vu que la vie n'a aucun sens, autant en profiter. Ici, on associe le fait de profiter au sens que l'on donne à la vie. Et selon toujours ce principe-là, ce qui troublerait les hommes, ce ne serait pas la réalité, mais les jugements qu'ils porteraient sur elle. Je pense notamment à une amitié d'enfance, en tout cas d'adolescence, où je lui dis clairement qu'on allait s'arrêter là parce que je trouvais que c'était une personne qui était pas forcément saine pour moi et qui m'apportait plus forcément de bonheur. Voilà, ici on a la même logique. Une bonne relation amicale, ce serait une relation qui apporte du bonheur. On a donc vu que le discours de Ben coche les trois critères qui composent l'idéologie néolibérale. La liberté individuelle, la singularité et l'hédonisme. Maintenant, au-delà du simple contenu de cette idéologie, il faut bien comprendre qu'elle a une fonction bien particulière. Elle n'est pas autant présente chez lui par hasard. Elle sert à légitimer les intérêts de classe de Ben, à savoir la construction de son commerce. Est-ce que tu as kiffé le club maté ? Oh, incroyable ! J'ai fait... Alors, l'histoire, c'est tartine de vie. On est avec Samuel Etienne qui dit qu'il boit beaucoup trop de café et qu'il est accro à la caféine. Et Suzanne, qui est autour de la table, dit « Tu devrais tester le club maté », qui est une boisson naturelle qui remplace pas mal ceux qui boivent beaucoup de Red Bull ou ceux qui boivent beaucoup de café, de thé, etc. Donc ça remplace un peu tous les trucs énergisants. Et donc non, je n'ai pas goûté, mais Club Maté m'a envoyé leur boisson. Donc on va tester maintenant. C'est fou ce qui se passe, non ? Ouh là 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 là. Vous sentez, vous aussi, l'odeur, là ? Club Maté, si j'adore, j'attends le virement parce que le placement de produit est incroyable. Je suis pas très fan de l'odeur pour l'instant. Bienvenue dans cette vidéo ASMR. Club Maté, 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 Club, Club, Club Maté, un tout petit peu de Club Maté. Alors déjà, il propose à Club Maté de le rémunérer pour ce placement de produit. Donc il assume le caractère publicitaire de son action. Éthiquement, ça pose un vrai problème, puisque même si on admet que cette boisson est plus naturelle,
ce que l'on pourrait déjà contester. Elle coûte plus cher. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer comment fonctionne la publicité, mais vous savez bien que ça convoque des processus inconscients, et donc qu'après cette durée publicitaire, nous n'avons pas un choix libre de notre consommation. C'est un formatage, c'est de la manipulation. Mais c'est pas tout, parce qu'ici Ben, en plus de jouer avec notre cerveau, il décomplexe le fait de faire de la pub, en rigolant dessus. Il a donc un double intérêt à faire ça, un intérêt personnel. En effet, en plus de se montrer ici ouvert à un éventuel partenariat avec cette marque, il montre cette ouverture à toutes les marques. Le message est « Contactez-moi, je suis d'accord pour faire des placements de produits ». Mais il a également un intérêt de classe. Il normalise le fait de faire des placements de produits, et ainsi contribue à briser les réticences que le public de YouTube peut avoir à ce sujet-là. Il dit « Oui, c'est un placement de produit, mais si je vous le dis, ce n'est pas grave ». Bref, ici, sa façon de normaliser les placements de produits montre bien que ses actions vont dans le sens du capital. Il permet à ce dernier de s'étendre plus facilement et sans contrainte. Il ouvre les frontières du marché. Je vous dis la vérité, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Je préfère le Red Bull, mais je pense que c'est parce que je me suis beaucoup trop habitué au goût non naturel des choses, alors que là, c'est quand même bien naturel, mais je crois que je pourrais en boire assez facilement. Très cool. La fin de l'extrait appuie ce que je viens d'exposer. Il joue la carte de l'honnêteté, ce qui lui permet factuellement de créer une relation de confiance avec son public, avant de préciser quand même que s'il n'aime pas, c'est bien évidemment qu'il était habitué à boire de la merde. Il continue donc de placer sa boisson sur un piédestal. Il dit « J'aime moins que le Red Bull, mais c'est mieux ». Après, sur la version longue, parce que jusqu'à maintenant, les deux premières vidéos qui sont sorties, il n'y avait pas de placement de produit, donc voilà, c'était free. Et le dernier, c'est-à-dire l'émission en entier qui dure 1h50, il y aura une sponsor au milieu de Fruits, qui est un gros partenaire YouTube, vous le savez, vous l'avez vu sur plein de vidéos YouTube, et nous, on fait plein de choses ensemble, et il me laisse hyper libre de faire plein de trucs, donc c'est cool. Ben parle encore ici de ses partenaires économiques de manière décomplexée. Ça rejoint notre analyse précédente. Lorsqu'il parle de Fruits, il souligne le fait qu'on lui laisse beaucoup de liberté. Voilà, c'est super, hein. S'il y a beaucoup de liberté, alors il n'y a aucun souci pour faire un placement de produit. Je vous pousse à la consommation, mais je suis libre de le faire. Et si on creuse un peu, tout est très cohérent. Hein. Ben y montre qu'il a des critères pour ses placements de produits, et comme son business repose en partie sur la confiance qu'il noue avec ses spectateurs, il donne une espèce de validation qui va forcément influencer son public. Regardez. J'ai l'impression d'avoir encore cette image de, en tout cas, en dehors de vous qui me suivez vraiment et qui, vous me connaissez, vous connaissez ma vie, ok? Mais on retrouve aussi cette intimité de manière plus implicite dans ses formats vidéo. Quand il fait des tables rondes où il discute de sujets assez basiques et qui peuvent intéresser un large public, on a vraiment l'impression d'être avec eux et de les écouter. On peut se sentir assez proche lors de ces moments-là. Tout est fait pour créer une relation de confiance avec le public. Ça soulève un souci. Cette intimité-là, elle fait partie intégrante de la chaîne YouTube. C'est un argument de vente, tout simplement. Et regardez comment il utilise cette intimité pour légitimer la croissance de son business. C'est que là, je vais être très honnête avec vous, je vais avoir des rendez-vous avec des télés et des plateformes pour essayer de vendre le Ben Never Show, pour que ce soit une émission avec un public moindre, un public de 50-100 personnes qui ressemble beaucoup plus à ce qui existe quand vous regardez une émission de télé, quoi, pour faire un Ben Never Show de flux, c'est-à-dire que ce soit un vrai truc où je présente une émission et il y a plein d'épisodes sur une saison entière sur l'année. Comme vous l'avez vu sur la chaîne depuis un moment, il y a très peu de placements de produits. Peut-être qu'on va en mettre un petit peu plus là. NordVPN, on a refusé beaucoup de trucs ensemble. Peut-être que là, on va tester des bails ensemble. Je suis prêt là. Pour vraiment comprendre à quel point cette relation est structurante dans son contenu, il n'y a qu'à regarder la manière dont il parle de ses revenus qu'il a pu avoir. Je suis déficitaire, mais j'ose même pas vous dire de combien. Je vais vous le dire en fait de combien. Enfin, en vrai, on joue le jeu parce que je vous ai dit complètement. C'était une FAQ de la vérité, donc je vous dis vraiment. Et oui, la question de l'argent sur YouTube a longtemps été un sujet très tabou. D'ailleurs, on voit bien que même lui hésite avant d'en parler. Je vais vous le dire en fait de combien. Mais cette hésitation, elle montre aussi que Ben est conscient du caractère tabou de l'argent. Et le fait qu'il en parle quand même est susceptible de renforcer cette relation de confiance. S'il ose nous parler de ça, c'est qu'il nous estime vraiment. Mais en réalité, ça va plus loin. Ce vernis de confiance, de bienveillance, ne suffit pas à entretenir une image très lisse, très passe-partout. Il faut également se positionner sur des questions plus politiques. C'est là où on assiste à un magnifique numéro d'équilibriste. Le but doit être d'adopter un placement politique qui soit accepté par le plus grand nombre, tout en restant cohérent avec les valeurs promues par Ben.
Je me dis, ouais, mais c'est quoi cette mascarade qu'on est en train de vivre? On est en train de défoncer la planète. Et puis, c'est pas l'environnement, parce que souvent on dit l'environnement, et en fait, ça veut rien dire. Le vrai bail, c'est on est en train de détruire l'endroit où on vit. C'est-à-dire, on est en train de chier dans notre salon, littéralement, et on est en train de péter les cloisons. Ben fait ici un constat. Il affirme être inquiété par les questions écologiques. On peut déjà remarquer qu'il n'évoque pas ici la question sociale, et spoiler, il ne l'a jamais fait et ne le fera jamais toute la vidéo. Et vraiment, c'est évité magistralement. Puisque juste après, il dit « On est en train de détruire la planète ». Avec ce « on » hyper générique et hyper vague, il ne prend aucun risque. Il vise tout le monde et personne à la fois. Voilà, il aurait pu amorcer par la question écologique pour l'articuler avec les questions sociales. Ce qui aurait été super pertinent. Mais non, il ne désigne personne. On est là sur la logique libérale du colibri. Si « on » défonce la planète, alors « on » doit se mobiliser, ensemble, contre un danger commun. Le grand méchant réchauffement climatique. Mais le réchauffement climatique, c'est la faute à qui? C'est bien évidemment la bourgeoisie, et d'autant plus la haute bourgeoisie qui pollue. C'est le capitalisme qui organise la production n'importe comment et qui met les autres dans la merde. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut nécessairement lutter contre le capitalisme. Bon, c'est qui pollue le plus? Ah, c'est les riches. Voilà, hein, il me semblait bien. Oui, oui, non, mais ça change pas, ça. Si on sépare les Français par niveau de revenus, ça change la donne. On se rend compte que la moitié la plus pauvre de la population n'émet que 5 tonnes par personne. Pour les 40% qui gagnent davantage d'argent, la moyenne est à 9 tonnes. Et pour les 10% les plus riches, c'est près de 25 tonnes par personne. Et ça devient de plus en plus clair pour tout le monde. Non seulement les riches pourrissent le climat et sont les bénéficiaires et les organisateurs de ce système de production et d'échange qui met à mal la planète, mais en plus, ce sont eux qui font obstacle au changement. À travers l'activité de leur lobby, en usant de toute leur influence pour faire barrage à toute forme de réglementation, en soutenant activement ou plus subtilement les campagnes électorales des politiques qui, une fois élus, s'assureront eux aussi que le modèle économique ne dévie pas de cette trajectoire qui nous conduit dans le mur. Ça, c'est quelque chose que la génération climat semble avoir intégré. Ça explique pourquoi on s'est autant focalisé sur les jets privés, et ça explique aussi ce slogan devenu fameux, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Mais ne vous inquiétez pas, Ben va nous exposer ses projets pour lutter contre les gaz à effet de serre. Je pensais pas qu'on allait vivre tous ces trucs-là, et évidemment que ça me fait hyper peur sur l'avenir, et je sais que là j'ai aussi une part de responsabilité, autant pour dire ces trucs-là, que aussi pour vous changer les idées, et c'est pour ça que je suis en train de faire évoluer mes formats aussi. C'est très compliqué d'arriver sur un truc premier degré hyper deep, on va tout remettre en question, donc de plus en plus je vais arriver sur du divertissement, ou à l'intérieur on va dire des trucs un peu deep, ce qui était très vrai sur le entremec par exemple, l'entremec sur scène dans le Ben Never Show, où je me fais tatouer sur scène, où on se marre, et en même temps il y a des trucs un peu deep, tu vois, sur l'homosexualité, sur la manière de s'habiller, comment c'est genré, etc. Donc son plan, c'est de petit à petit mettre de plus en plus de trucs un peu deep, comme il le dit lui-même. Mais déjà, ça veut dire quoi deep? Ça veut dire mettre des trucs plus engagés? Des trucs plus intimes? On ne sait pas. Et en fait, c'est probablement la fonction même du mot. C'est ce qu'on appelle un signifiant creux. On y met ce qu'on veut, et c'est bien pour ça que ça marche. Ce genre de terme, c'est omniprésent dans le langage managérial. Comme c'est très flou, tout le monde y met ce qu'il veut, et donc tout le monde est content. Bon allez, supposons, au vu de ce qu'il a dit précédemment, que deep, ça veut dire engagé dans ce contexte-là. Il veut donc rendre son contenu plus engagé progressivement, et il cite comme exemple sa vidéo sur scène. Ouais, alors moi je l'ai vu cette vidéo, si ça c'est engagé, je veux bien croire au ruissellement. Non, plus sérieusement, y a rien de réellement engagé dans son format. Vous irez voir la vidéo en question si vous me croyez pas, hein. Mais c'est hyper lisse, hyper consensuel, aucune réelle remise en question de l'organisation sociale. Essayons à notre tour d'analyser de manière un peu plus « deep », comme il dit, ses propos. Ben est factuellement sur un marché. Ses revenus se basent sur le contenu vidéo qu'il propose. Mais au-delà de simples vidéos, il vend en fait de la bienveillance, de l'intimité. Il soude sa communauté autour de valeurs de liberté, de singularité, d'hédonisme, les valeurs du néolibéralisme qu'on a vu tout à l'heure. Les luttes qui lui tiennent à cœur font partie de ce marché. Nous sommes sur un marché destiné à la bourgeoisie cool. Ici, pas question d'être intolérant. On dit non au racisme et à l'homophobie. Oui au féminisme et à l'écologie. Tant que ça ne remet pas en question la structure fondamentale de la société. Et oui, la classe sociale qui est sur ce marché n'a aucun intérêt à désirer des changements radicaux. Elle a plutôt intérêt à laisser intact le squelette social, tout en se maquillant d'un vernis progressiste. Oui, on libéralise tout ce qui bouge. Mais nous sommes tolérants et gentils, alors tout va bien. N'oubliez pas, YouTube est un marché. Les vidéos qu'il propose, des produits. Il faut avant tout vendre, d'autant plus si c'est notre activité économique principale.
Ben peut donc ici promouvoir une politique ultra-libérale, tout en passant pour un progressiste. C'est magnifique. Est-ce que tu vas continuer à faire du X ? Alors ça, bon, j'avoue que c'est quand même une question qu'on m'a posée très régulièrement. Pour ceux qui débarquent là, c'est possible, j'ai réalisé un film porno. L'expérience était incroyable. Donc je suis pas acteur dedans, je suis réalisateur. Et en gros, pour moi, c'était juste une expérience de dire, regardez, il existe d'autres manières de consommer du porno. Il y a du porno amateur qui existe, il y a des gens qui font des trucs incroyables. Il y a des gens qui commencent à se poser des réelles questions dans le porno, notamment sur notre manière de le consommer. Voilà, ce passage, il est parfait pour illustrer ce qu'on a dit précédemment. Il a mis sur le marché un produit, un porno éthique. Et il fait passer cet acte, avant tout commercial, pour un acte engagé. C'est une parfaite synthèse de ce que j'expliquais. On prône la bienveillance pour vendre sur un marché particulier. L'argument éthique est un argument de vente à coller au produit, comme des chips de telle marque seraient plus croustillantes que les autres, ou comme tel soda aurait moins de sucre que tel autre. Et alors j'en finis par dire que finalement on est, nous autres, je crois qu'on est assez nombreux à être beaucoup plus énervés au bout du compte par la bourgeoisie cool que par la bourgeoisie pas cool. Parce que la bourgeoisie cool, c'est double peine. Hein. Non seulement elle déstructure l'état social, elle sadise les chômeurs, elle flique les travailleurs, elle démantèle le service public, mais en plus elle vous le fait un petit peu avec de la vaseline, quoi. Elle vous le fait avec les manches retroussées à la Obama, vous voyez, et pas avec la chemise un peu raide de Fillon. Ben, au bout du compte, il nous manque Fillon. On préfère le type qui dit « Vraiment, je vais tous vous sodomiser » et c'est clair et net. Macron, voilà, il y a eu comme ça, espèce de jeu tout à fait insupportable. Et Macron s'est beaucoup étonné qu'on le déteste. Il a découvert qu'il n'était pas irrésistible. Je crois que c'est ça, la grande nouvelle pour lui dans ce quinquennat. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même grandi dans l'idée qu'il était irrésistible. Et il découvre qu'en fait, tout le monde ne l'aime pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui lui résistent, qui résistent à son pseudo-charme. Il faut vraiment qu'il soit conscient que si on le déteste, s'il nous arrive d'avoir vraiment de drôles d'affects assez violents vis-à-vis de lui, c'est précisément ça. Hein, c'est pas, parce que lui va dire « Mais je ne comprends pas pourquoi il me déteste, pourtant je suis cool. » C'est précisément parce que tu es cool qu'on te déteste. Le jour où tu auras compris ça, Emmanuel, je ne dirais pas qu'on sera copains, parce que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, on pourra commencer à discuter. Voilà, c'est terminé. Pour résumer, le discours de Ben Never nous a permis de comprendre les trois composantes principales de l'idéologie néolibérale. Le libre-arbitre, la singularité et l'hédonisme. Ce sont des composantes qui sont essentielles dans la construction de son business et qui l'accompagnent. Ben Never est sur un marché de classe, le marché de la bourgeoisie mondaine, et il emploie toutes les stratégies commerciales qui lui semblent utiles pour augmenter son capital. C'est un patron avant d'être un vidéaste bienveillant. Où j'ai embauché ma première alternante pour un contrat de 18 mois qui m'aide, qui est chargée de prod en gros, qui m'assiste sur plein de tournages, qui les organise, etc. Parce que j'en ai besoin là en ce moment. Évidemment, vous avez le droit d'apprécier son contenu, tout comme vous avez le droit d'apprécier le goût des fast-food. Mais il faut juste ne pas l'idéaliser, et le prendre pour ce qu'il est, un capitaliste qui recherche le profit. Choix, même si j'ai fait suer mon père. À la base, on était cassos. Regarde ma tête de bourgeoise, plus la même sur votre caca 6. Ouais, ça joue aux cartes avec la faucheuse. À 3 sur un scooter, le 4e est sur un skate. Rien pour un...